Twitter, Snapchat, tous les réseaux dont vous disposez pour transmettre l'information, parce que c'est ça aussi le but du jeu. Alors, ici on arrive dans une zone où, a priori, il y a moins de danger. D'accord ? Il y a moins de risques. Une zone dégagée et en hauteur. Bon, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Donc, à 10h pétante aujourd'hui, il y a eu un séisme de magnitude 8.5 au large de la Désirade et une vague de 20 mètres a touché les côtes de la Guadeloupe. Vous faites partie de ceux qui ont respecté les consignes de sécurité et qui ont eu le temps d'arriver sur le site refuge de convenance. Avec Twitter, avec Facebook, avec WhatsApp, donc les réseaux internet. On va faire en sorte de les maintenir. Via l'antenne qui est ici, là, on est en liaison directe avec Marie Galante et avec la Désirade. Donc on a fait ce qu'on appelle un réseau de backup qui nous permettent d'accéder à Internet par d'autres îles qui, elles, ont encore accès à Internet. Avant d'aller dans le bus, je vais vous montrer les différents appareils et techniques qu'on peut utiliser dans ce genre de situation. De nouveau, on a la carte, hein, parce qu'on est plusieurs dans le bus, pour qu'on puisse travailler de nos concerts. Au fond du bus, bon là j'ai mis les images du tsunami. Si on avait tweeté vos noms et vos prénoms, par exemple, ici ça aurait apparu, genre, je sais pas,